Si vous venez à Villefranche-sur-Mer, c'est probablement pour ses petites ruelles et ses places charmantes, ses restaurants au bord de l'eau, sa citadelle ou encore sa plage. Mais il y a un lieu moins connu et très insolite que vous devez absolument découvrir. C'est la chapelle Saint-Pierre, décorée par Cocteau. Petit rappel, Jean Cocteau, c'est lui. Un artiste français aux multiples facettes, poète, peintre, dessinateur, dramaturge, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Dans les années 20, le jeune Cocteau y vient régulièrement à Villefranche-sur-Mer et sur la Côte d'Azur. Et il finit même par développer des liens étroits avec le territoire. Bref, cette chapelle Saint-Pierre, il l'a toujours connue. Ce lieu de culte appartient à la prud'homie des pêcheurs de Villefranche-sur-Mer. D'ailleurs, on voit le clocher juste derrière moi. À l'origine, c'était un tribunal de pêche, puis un hangar à filets. Écoutez bien ce qu'en dit Cocteau. Je l'ai toujours connu comme une vieille clocharde endormie sous la poussière. Et j'ai eu la surprise, après nettoyage et déblayage, de découvrir une admirable petite nef romane en cale sèche au bord de la mer. En 1957, la chapelle est inaugurée après un an de travaux. Mais alors, pourquoi il a voulu la décorer? Venez avec moi, je vous explique. Il dit ne pas l'avoir fait dans un objectif commercial. Il voulait simplement rendre hommage aux pêcheurs et rendre la chapelle culte pour les fêtes de la Saint-Pierre. L'idée, c'est donc de lui rendre son aspect religieux, mais aussi d'apporter un aspect artistique au lieu. Dans cette œuvre, Cocteau représente des passages de la vie de Saint-Pierre, le patron des pêcheurs. On y trouve aussi des chandeliers de l'Apocalypse, ou encore des scènes locales, comme ses hommages aux Sainte-Marie de la Mer et aux Demoiselles de Villefranche. Avec ces scènes qui s'enchaînent pas à pas dans la chapelle, Cocteau voulait que le visiteur soit comme pris au piège dans les mailles d'un filet. Quasi 40 ans plus tard, en 1996, la chapelle est inscrite au monument historique et la façade a même été rénovée l'année dernière. Bref, cette chapelle, vous l'avez déjà visitée? Vous l'aimez? Dites-nous tout ça en commentaire et on se retrouve dans le prochain Sun Fact.